Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer à rendre un devoir en version papier. Alors, pour ce faire, je dois avoir accès à mon devoir. Donc, je vais ouvrir Classroom. Et je vais aller sur mon cours niveau 4. Et ensuite, je vais chercher mon devoir. Voilà, je vais choisir celui-là. Maintenant, si malheureusement je n'ai pas été capable d'ouvrir le document PDF et travailler sur celui-ci, je peux quand même écrire les réponses sur un papier, sur une feuille, et ensuite prendre une photo de mes réponses et les envoyer ou l'envoyer à mon enseignant. Pour ce faire, je dois tout d'abord cliquer sur l'onglet qui se trouve ici, en bas de l'écran. Voilà. Et là, j'ai l'option Ajouter le travail. Donc, je vais cliquer sur Ajouter le travail. Là, j'ai un menu. Je peux ajouter un travail à partir du drive, l'appareil photo, ou importer des photos, importer des fichiers, des liens, ou créer même un devoir. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, je vais juste prendre une photo. Donc, je vais choisir l'appareil photo. Voilà. Je peux scanner plusieurs pages ou je peux juste prendre une photo ou je peux même enregistrer une vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre juste une photo. Voilà. Donc j'ai accès à la caméra de mon portable. Et là, je vais prendre une photo du travail. Je dois m'assurer que l'image est claire. Voilà. Donc là, je vais vérifier est-ce que l'image est claire. Si oui, je vais cliquer sur OK. Sinon, je vais cliquer sur Réessayer pour reprendre la photo. Rappelez-vous, il faut que ça soit clair, que l'image soit claire pour que l'enseignant puisse corriger. Moi, je suis content de l'image, donc je vais cliquer sur OK. Voilà, on attend quelques secondes. Et voilà, le devoir a été ajouté. Ensuite, pour finir, vous faites comme d'habitude, rendre le devoir et je clique sur renvoyer. Et voilà, c'est tout.